Salut les geeks, bienvenue encore sur Shmoni Geek. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment localiser votre smartphone et trouver le voleur avec un site qui est très très dangereux. Alors, c'est pour les téléphones Android. Je sais pas, est-ce que cette application est disponible pour les iPhones, mais on va seulement tester dans les smartphones d'Android. Alors la première chose, vous recherchez sur Google Play Store. Où on va mettre, bien sûr, on va mettre l'application, le lien de l'application dans la description sur la vidéo. Alors, seulement pour vous donner l'application qu'on va utiliser pour faire tout ça, Google Play Store. Après, rechercher Android Loss. Voilà l'application qu'on va utiliser pour trouver notre smartphone. Alors, après l'installation de l'application, tu vas voir seulement cette icône et dans le nom de Lost Android, tu vas trouver Personnel Note. Alors, pour que le voleur ne sait pas pourquoi on utilise cette application. Maintenant, après l'installation de l'application dans votre smartphone, vous ouvrez le site androidlost.com. Après, connectez votre Gmail que tu vas utiliser avec l'application pour relier les deux comptes du smartphone et votre compte dans le site androidlost. Alors maintenant, on peut faire beaucoup de choses parce que envoyer au voleur un message, mais parce que le voleur ne veut pas donner votre smartphone. Si tu envoies un message, c'est rien pour le voleur. Alors par exemple, pour envoyer un message à votre smartphone, cliquez sur Speak comme ça. On va patienter un peu pour voir s'il marche ou non. Tu peux prendre une photo pour votre smartphone comme ça. Alors, on va patienter un peu pour voir s'il marche bien. Lost. Please pick me up. Comme vous écoutez, ça marche bien. Alors maintenant, on va prendre une image pour le voleur. Il faut seulement cliquer sur Take Pictures. On va patienter un peu. Comme vous voyez, le smartphone prend une photo pour le voleur.
Tu peux aussi avec l'arrière-caméra. La deuxième caméra du smartphone, pardon. Alors, il y a beaucoup de choses. Tu peux aussi sécuriser votre smartphone avec un code, par exemple 0402. Il faut seulement cliquer sur Lock Phone. Comme ça. Alors maintenant, on va faire le code pour 0402. Comme vous voyez, ça marche bien. Ou faire j'espère qu'il y a beaucoup de choses. On va voir aussi. On va voir la liste des appels qu'il a fait le voleur. Voilà les numéros. Le premier numéro, le deuxième. Ah, vraiment, c'est magnifique. Alors, c'est tout. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas le temps pour fermer. On va te laisser pour les découvrir. C'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne ShmoniGeek et merci beaucoup pour nos chers fans. Alors maintenant, on a presque fini 1000 subscribers dans la chaîne ShmoniGeek. Merci pour vous. Merci beaucoup, beaucoup. Et au revoir.